c'est pas possible. Mon Dieu, Lily. Lily, je suis là! Où es-tu? Oh non, elle est là-haut! Comment une telle chose a pu arriver? J'arrive, Lily! Tiens bon! Je suis là, Lily! Je suis là! Où est-ce qu'elle est? Papa! T'es où? Lily! Viens, ma chérie. Lily! Où es-tu? Je suis là. Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Kidman? Bonjour, Sébastien. Ça fait longtemps. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Lily est toujours en vie. Quoi? Lily est morte! J'ai lu le rapport d'enquête! On l'a enterrée! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver?
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Enlève tes sales pattes. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Sébastien, vous êtes réveillé. Bien. Ouais, c'est ça, bien. Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Où est Lily? Patience. Toutes les réponses sont juste là. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contretemps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, Monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur, pour vous. Vous êtes prêts ? Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous.
Entrez dans le stand en 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Papa, au secours! J'arrive, Lily! Papa! Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit? Inspecteur, on a un appel. À toutes les unités, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Pico. Vous êtes là? Kidman. Qu'est-ce qui... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein? Alors où est ma famille? On dirait mon ancien bureau, au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel? Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un œil. Un chat? Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Un projecteur. D'où sort ce souvenir? De mon école primaire?
Kidman, vous êtes là? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitées comme un fardeau au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez? Peut-être. Au moins vous aviez des gens qui se souciaient de vous. Pas faux. Merci, le chat. Un miroir. Comme un beacon. Ça doit être la sortie. Je pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui va pas? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? C'est le bon endroit.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Sadique. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Y a quelqu'un ? Putain. C'est qui ? Merde! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Thank you.
bordel, mais c'était qui? Comme l'agent de Mobius. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. C'est quoi ce bordel? Oh.
cette horreur. Je l'entends plus. C'est pas vrai. Et c'est quoi cet endroit ? T'étais où quand j'avais besoin de toi ? C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Dans quoi je me suis embarqué ? Kidman ? Sébastien, où étiez-vous ? Où vous avez perdu ? Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses... Ah, fait chier, c'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça.
abandonner là, à pourrir. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Ouais. Un peu trop tranquille. Eh oh ! Eh ! Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Quelqu'un ? Doit manger. Que la peau sur les os. Doit manger. Finis ton assiette. Doit manger. La peau sur les os. J'ai dit mange ! Et voilà. Ne pleure pas. Je fais tout ça pour ton bien. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau Beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver.
quoi encore? Agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. J'espère que ça tiendra. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous.
Ne tirez pas! Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez! Ou je tire! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment? Bonne chance, alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui, Lily? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors je me planque. Vous pigez? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai? Silence. C'était elle? Le noyau? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas, je m'en fous. Vous étiez 5 dans votre équipe? Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais, sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés? J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart.
Vous avez rien de plus puissant ici? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là... on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant.